Des heurts sporadiques avec les forces de l'ordre ont éclaté ce samedi après-midi à Paris, alors qu'une nouvelle journée de manifestation était organisée pour dénoncer l'extension du pass sanitaire en France. Plus d'une centaine de milliers de personnes a défilé dans la capitale et dans plus de 160 villes du pays. Des manifestants aux motivations diverses, mais dont la plupart disent défendre leur liberté face à ce qu'ils estiment être une dictature sanitaire. Moi, par exemple, je suis vacciné, mais je refuse qu'on oblige les gens à se faire vacciner. Il faut mieux faire de la discussion, des échanges, d'informations, des débats, essayer de convaincre les gens, mais pas rentrer dans une politique de loi liberticide. Je pense que ce vaccin systématique, c'est une mesure trop extrême et trop risquée. Je suis très choquée par cette extension aussi pour les enfants. En France, la colère d'une partie de la population ne retombe pas depuis le 12 juillet dernier et la présentation par Emmanuel Macron d'une série de mesures visant à enrayer la progression du variant Delta. Parmi ces mesures figure notamment la présentation d'un pass sanitaire qui est entré partiellement en vigueur cette semaine. Déjà appliqué dans les lieux culturels et de loisirs, son extension pour les cafés, restaurants et trains est prévue au début du mois d'août.